Bonjour à tous, il est un peu plus de 17h en Europe, 11h au Québec et 16h GMT. Bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 4 donc du groupe d'utilisateurs francophones. Nous espérons que vous allez tous bien, que vous êtes bien confinés comme il faut pour cette séquence d'enseignement à distance. On essaye de vous montrer un peu des trucs et astuces pour la continuité ou le suivi pédagogique en fonction des termes que vous utilisez dans vos différents pays. Et cette semaine, ce qu'on vous propose de suivre, c'est de faire surtout, c'est vous qui allez mettre aussi un peu la main à la pâte, c'est de créer une leçon pour le mode synchrone. Le mode synchrone, c'est très à la mode durant ces temps de confinement. Regardons ensemble comment il est possible de le faire. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais utilisé GoToWebinar, il est possible qu'il y ait des personnes qui se connectent pour la première fois. Donc, vous devez avoir normalement sur le côté droit de votre ordinateur une fenêtre qui ressemble à peu près à ça, et donc sur laquelle vous allez trouver un certain nombre de fonctions, allumer, donc passer en mode plein écran, pardon, lever la main, ouvrir l'onglet pour poser des questions. On vous a laissé un document PDF que vous êtes susceptible d'ouvrir avec un pas à pas pour vous expliquer tout ça. Et donc, si vous sélectionnez, si vous cliquez sur ce document, il devrait s'ouvrir normalement dans une seconde fenêtre ou dans un deuxième onglet de votre navigateur. Alors, pour les questions, dans GoToWebinar, il y a une partie questions qui est dédiée, qui vous est dédiée. Comme vous pouvez le constater, donc, on peut ouvrir la fenêtre en grand. Il suffit simplement de cliquer sur le petit logo qui se trouve en haut à droite, qui est marqué 2 sur cette image. Les questions sont anonymes. Les réponses sont listées juste en dessous de la question que vous avez posée. Chacun d'entre nous va contribuer pour répondre aux questions que vous poserez. L'équipe n'a pas changé, nous avons toujours, et là je vais changer d'ordre parce que c'est tout le temps les mêmes qui commencent autrement, nous avons Caroline qui est en direct du Québec. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Nous avons Kevin qui est en France, lui. Bonjour Kevin. On ne t'entend pas Kevin, tu n'as pas dû ouvrir ton micro sans doute. Je te Bonjour laisse à une tous, deuxième. est-ce que c'est moi? Ouais, impeccable. Merci. Bonjour. Anne est un peu plus au sud, comme Trifon Tournesol. Bonjour Anne. Et bonjour à tous. Et Charlotte, elle est encore plus au nord que nous, en fait. Elle est en Belgique. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Et moi-même, je suis Marc Geoffroy, consultant éducation pour les pays francophones. Je suis basé en France. Vous devez commencer à connaître un petit peu notre équipe, en fait. L'objectif de cette série, c'est de vous aider et de vous accompagner pour pouvoir produire ou pouvoir réutiliser des documents que vous avez déjà de près et qui sont susceptibles d'être utilisés en ligne, soit en synchrone, soit en asynchrone. Et aujourd'hui, donc, c'est créer une leçon pour le mode synchrone. On verra l'asynchrone mardi prochain, mardi 21 avril, à 17h heure française, 11h Québec, et puis donc 16h GMT. On aura également un autre webinaire le 23 avril où là, on rentrera dans la création d'activités dans le logiciel Smart Learning Suite Online qu'on appelle aussi ClassLab. Vous savez que depuis la crise du coronavirus, Smart Technology met à votre disposition un accès gratuit à cet outil, ce logiciel, qui est un logiciel cloud. Un logiciel dans Internet qu'on peut piloter et qu'on peut utiliser directement depuis Internet, ce qui permet justement d'avoir tous les allers-retours dont vous ont déjà parlé Caroline, Charlotte, Kevin et Anne lors des sessions précédentes, lors des épisodes précédents. Et donc, cet accès à SLSO, Smart Learning Suite Online, la suite pédagogique Smart, ClassLab, comme nous on l'appelle, comme le groupe francophone l'appelle, sera ouvert et disponible jusqu'à la fin de la crise. Voilà, je vais passer la parole directement à Charlotte, puisque c'est Charlotte aujourd'hui qui va nous faire créer un document pour le mode synchrone. À toi, Charlotte. Voilà, bonjour à tous. Donc, comme on vous a proposé dans les anciens webinaires, on va vous proposer de vivre le webinaire en trois parties. Donc, je vous invite pour la première partie à vivre l'activité en tant qu'élève pour voir un petit peu le rendu de l'activité finale.
Ensuite, on passera à une deuxième partie où je vous montrerai comment réaliser ce que vous venez de dire. Et ensuite, ce sera votre tour de mettre vos compétences au travail. Nous allons donc maintenant partir vers notre nouvelle classe lab que nous avons créée tous ensemble avec les participants, donc les organisateurs. Je vous demande donc d'ouvrir. Je vais partager mon écran. Donc, Marc, je ne sais pas si on peut partager l'écran. Normalement, tu dois avoir la possibilité de le faire. Donc je le fais tout de suite. Alors, est-ce qu'on voit? Impossible de prendre le contrôle, Marc. Donc, regarde un petit peu. Alors, attends, laisse-moi juste peut-être redonner la main. Est-ce que ça marchera voilà. Mieux comme ça? Oui, je pense que c'est bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon, là? Oui, ça s'affiche. Merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va créer une leçon complète pour la classe. Alors, avant de commencer, on va déjà se demander pourquoi faire une leçon complète et pas juste une activité. Et bien, tout simplement parce qu'une leçon complète, c'est un document beaucoup plus complet. On peut partager un seul lien ou lancer une seule activité avec ses élèves. C'est donc beaucoup plus facile également pour voir la progression des élèves. Toute la leçon tient en une seule tuile. Ça veut dire que vous ne devez pas changer d'une activité à l'autre. On a le côté pratique également en asynchrone. C'est ce que je suis en train de faire pour l'instant avec mes élèves en confinement. Donc, je demande à mes élèves de se mettre sur ma classe lab. Je lance l'activité et je les garde en live. Bon, moi, c'est en live Facebook parce que je peux le faire avec les parents pour qu'ils gardent le son et écoutent mes recommandations. C'est également beaucoup plus facile pour l'élève parce que ça lui permet d'aller de gauche à droite pour voir un rappel des notions si on fait une diaposynthèse et partir ensuite vers les exercices. Donc, l'enfant peut vraiment se balader sur la leçon complète. Et enfin, ben, ça nous donne une bonne base de leçons qu'on peut bonifier chaque année. On repart de notre diapo et après, ben, voilà, on enregistre des exercices supplémentaires, des synthèses, des films, etc. Ensuite, ben, voilà, il y a deux modes. Donc, comme Marc l'a expliqué, on a le mode synchrone. Donc, ça, c'est celui que je vous présente Charlotte. Aujourd'hui. Oui. Charlotte, je vais devoir t'interrompre. Marc, c'est qu'il semble avoir un souci. Tu vois, j'ai dans les questions des gens qui disent « je n'entends rien ». Bon, là, il y a Joanne qui me dit qu'il voyait juste la page. Là, elle me dit « bon, OK, là, je vois la page, mais là, je n'entends plus ». OK, elle marque là, c'est revenu. Je ne sais pas si… c'est peut-être un souci de connexion des gens. Peut-être, moi, ce que je dis, c'est peut-être soit se rapprocher de son routeur ou encore peut-être demander à vos enfants qui sont sur la Xbox de prendre une pause. Voilà. Oui, enfin, de notre côté, je ne sais pas si c'est ton cas, Caroline, mais ça passe bien. Enfin, en tout cas, moi, je vois bien les documents. Ici, ça passait très bien. Je dis juste peut-être qu'il y a des gens à la maison, que les bandes passantes sont réduites. Voilà. Donc, vérifiez effectivement votre bande passante ou votre connexion à Internet. Si vous avez du mal à suivre, il y a des chances pour que ce soit une consommation de bande passante trop importante. Excuse-nous, Charlotte, on t'a coupé dans ton élan. Aucun problème. Donc voilà, donc le mode synchrone présenté aujourd'hui, le mode asynchrone, comme vous pouvez le voir, sera présenté par Caroline mardi prochain, donc le 21 avril. Donc aujourd'hui, ben voilà, le mode synchrone, comment ça s'organise? Le mode synchrone, c'est en présence de l'enseignante. On donne un rendez-vous à ses élèves, on invite l'élève à s'inscrire en tant qu'invité, et quand il rentre dans notre classe lab, nous, l'enseignant, on choisit la diapo qu'on va mettre en place. Donc, le rythme peut être donné soit aux élèves, soit via l'enseignant. Moi, je préfère pour l'instant faire via l'enseignant, mais on peut tout à fait dire aux enfants, ben voilà, je vous ouvre la diapo, travaillez à votre rythme. Donc, l'élève travaille de façon dirigée ou en autonomie totale. On peut changer de leçon, les élèves restent connectés. Donc, ça veut dire qu'on peut passer d'une tuile à l'autre. Et enfin, toutes les activités sont interactives, sont disponibles dans cette classe-là, dans 5 cours. Donc, dans la synchrone, par contre, l'enseignant n'a pas besoin d'être présent. L'élève peut se connecter n'importe quand. Le seul souci, c'est qu'il doit avoir une connexion d'un lien avec un identifiant Google ou Microsoft. Maintenant, ça se fait de plus en plus. L'enfant travaille à son rythme et il travaille de façon autonome. Donc, c'est lui qui va devoir cliquer sur un lien différent s'il veut changer de leçon. Et attention, les activités Monster Quiz, questionnaire, criez-le et réponse, là, ne sont pas disponibles. Alors, on passe à la diapo suivante et on va se poser la question de qu'est-ce qu'une leçon complète? Qu'est-ce que ça comprend? Donc, généralement, je commence toujours par une belle petite diapo de présentation. C'est beaucoup plus sympa pour inviter les élèves. Ensuite, on passe un petit peu comme une leçon en classe. On rappelle les notions avant de commencer quelque chose. On fait toujours un petit rappel, soit sous forme de synthèse, soit un petit exercice.
Et donc, on va rappeler les notions. Vous verrez dans l'activité que vous allez suivre que j'ai remis une synthèse que j'ai utilisée avec les enfants. Je vous ai mis aussi, vous verrez, un lien vers une vidéo YouTube parce que dans la classe SAP, on peut donc insérer des vidéos YouTube pédagogiques. C'est une mine d'or sur YouTube, il y a toujours moyen de la trouver. Ou alors, on la crée et on l'apporte en YouTube. Ensuite, vous aurez des diapos explicatives. Donc, en temps de confinement, c'est bien important et super chouette pour l'enfant parce que ça permet aussi de rappeler ce qui a été fait. Et ensuite, les enfants passent en activité interactive. Donc, soit individuelle, ben, si on fait un super tri, ils le font et quand ils ont terminé, ils me disent « voilà, j'ai terminé ». Ou alors en collaboratif, comme par exemple un questionnaire instruit. Et ensuite, on peut proposer aux enfants une évaluation sur laquelle on pourra, avec laquelle on pourra exporter les résultats. Donc, c'est un petit contrôle à distance. Alors, les astuces de prof. Donc, ça, Caroline et moi, on s'est penché là-dessus. Si c'est possible et si vous avez le logiciel Smart Notebook, on vous propose de les créer dedans et ensuite de les importer dans la classe là. Deux méthodes pour importer la leçon, donc ça vous le voyez, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour essayer de ne pas trop perdre de temps. Vous aurez de toute façon le PDF à portée de main après. Alors, différents modes de création. Donc dans la classe là, c'est accessible à tous, ce qui est important durant la crise. Facile et rapide, l'activité est enregistrée directement dans la classe là, mais par contre, on a moins d'options que si on a le logiciel. Et enfin, la pile de présentation est blanche. Par contre, si vous avez le logiciel Smart Notebook, ben là, voilà, vous avez seulement c'est uniquement ceux qui ont le logiciel sur leur ordinateur. C'est tout aussi facile et rapide. On doit juste partager le lien et l'enregistrer dans la classe là. On a notamment plus d'options sur Notebook. Et la pile est imagée. Voilà. Vous allez donc maintenant ouvrir une autre fenêtre. Donc, attention, je vous le montre. N'ouvrez pas un deuxième onglet, ouvrez bien une deuxième fenêtre pour vous rendre dans la classe Lab en utilisant le lien hellosmart.com ou suitesmarttechprod.com student login. Quand vous êtes dans cette classe Lab, vous allez tomber sur « Bienvenue aux élèves, rejoindre la classe en tant qu'invité ». Et on vous demande ensuite de rentrer l'idée de la classe, donc l'identifiant, qui est le 67-917. Vous allez donc tomber sur la classe Lab de l'équipe francophone Smart. On vous demande à ce moment-là de rentrer votre prénom et d'attendre ensuite que je lance l'activité. N'oubliez pas de bien remplir « Rejoindre en tant qu'invité ». Je me connecte pour voir un peu… qui arrive. Alors, on est déjà 12, 13, ça monte. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je vais présenter une activité sur la voix passive et active. Charlotte, juste pour les personnes qui sont connectées, je vais redonner le numéro de la classe. Oui. C'est le 67-917. Et je vais mettre dans le clavardage… Oui. Est-ce que OK, l'adresse a été mise, voilà. Donc, je vais remettre 67-917. Voilà. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est donc de garder la fenêtre GoToWebinar, de la réduire peut-être à la moitié de l'écran. Comme ça, vous pourrez continuer à voir ce que moi je vois en tant qu'instit sur mon écran. Et d'ouvrir la deuxième fenêtre pour aller sur la classe Lab. La réduire également. Comme ça, vous pouvez avoir deux demi-fenêtres. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que je dis, mais au moins vous voyez ce que l'élève voit et ce que l'enseignant voit. Alors, ça commence à monter. Donc, on est 26, 27. On est combien en tout sur Webinaire, Marc, tu sais? Pour voir quand je peux commencer. Alors, on est en 80. Ouais, donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc, voilà, en attendant que tout le monde arrive, j'explique un petit peu comment j'ai fait donc, pour mettre ça en place avec les élèves. Donc, ce que je leur propose… J'ai créé un groupe Facebook uniquement pour mes élèves, un groupe fermé. Et je leur dis, ben voilà, nous aurons une session live, par exemple, demain à 15h. Les parents se connectent. Je demande aux enfants d'avoir deux écrans. Question de facilité. Un écran, si possible, ordinateur sur lequel ils joueront au jeu que je leur propose. Et un autre écran, une tablette, un GSM, peu importe, pour garder le live Facebook en même temps. Pour pouvoir écouter en audio les conseils et les consignes que je leur donne. Quand ils ont terminé un exercice qu'ils réalisent individuellement, ben voilà, ils repassent sur le deuxième écran, sur la conversation du live Facebook et me disent « j'ai fini ». Comme ça, on sait un petit peu si tous les enfants ont terminé.
Quand il s'agit d'une activité comme Monster Quiz, là, il n'y a rien à faire étant donné que je vois automatiquement qui a fait. Donc, ça commence à monter. Peut-être redire encore une fois. Donc, je vais me remettre en partage d'écran pour que vous ayez, pour ceux qui n'y arrivent toujours pas, que vous ayez la marche à suivre. Donc, on se connecte sur hellosmart.com. On rejoint en tant qu'invité. On entre le numéro de classe qui est le 67-917. On écrit son prénom. Et ensuite, on clique sur « Rejoindre en tant qu'invité ». Cinquantaine. Charlotte, alors, je peux juste me permettre, parce que je t'entendais dire que tu demandais à tes élèves d'avoir deux écrans. Oui. Mais juste dire que des fois, ben, à la maison, ce n'est pas possible. Mais en fait, moi, je le fais avec mes élèves. Ils n'ouvrent pas deux écrans, mais simplement deux fenêtres sur le même ordinateur. Donc, ça, c'est possible aussi. Ouais. Et puis, par ailleurs, je rappelle que, en fait, là, vous êtes en train de faire, de vous connecter là, en tant qu'élève au compte de Charlotte. C'est une activité qu'on fait une fois. Après, l'élève, s'il utilise toujours le même appareil pour se connecter, il n'aura plus besoin de rentrer tous ses renseignements. Oui, il sera connecté automatiquement. C'est pour ça que la première activité en live dure un petit peu plus longtemps parce qu'il faut le temps que les parents comprennent, plus les parents que les enfants, étant donné que se connecter à HelloSmart, comme on le faisait en classe avant d'être confiné, les enfants avaient l'habitude de rejoindre la classe en tant qu'invité. C'est vrai qu'une fois que c'est fait, après ça va tout. Donc voilà, je vois le nombre continuer à augmenter maintenant. Voilà, je vois le temps qui court, 17h17. Je vais peut-être commencer. Alors, donc, voilà ce que j'ai proposé à mes élèves il y a deux semaines. Donc, je leur rappelle que tout au long des pages, ils vont trouver des petits rappels et que pour l'instant, quand je passe d'une diapo à l'autre, ce n'est pas à eux à toucher. Pour l'instant, on ne touche à rien. C'est moi qui m'occupe de passer d'une diapo à l'autre. Donc, on va se diriger sur la deuxième diapo. Donc, je vais moi-même cliquer sur la suite. Et je leur explique que voilà, aujourd'hui, on va retravailler voix passive et voix active. Alors, le petit rappel… Excuse-moi juste, Charlotte, juste pour préciser pour tout le monde, si vous mettez effectivement vos fenêtres côte à côte, vous voyez bien d'un côté dans GoToMeeting, dans GoToWebinar, la fenêtre de Charlotte que Charlotte partage qui change. Et puis tout de suite après, dans votre navigateur, s'il est juste à côté de la fenêtre de GoToWebinar, vous voyez votre diapositive qui change également. Oui, c'est simultané. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ici, ben, petit rappel, dans la phrase active, le sujet fait l'action, dans la voix passive, le sujet subit l'action. Il faut savoir que c'est quelque chose, c'est un texte que j'ai repris d'une synthèse que j'avais fait sur Word. Donc encore une fois, tout ce que vous avez sur votre ordinateur n'est pas à jeter, les copier-coller fonctionnent. Donc petit rappel, ensuite on passe à la troisième diapo et on arrive sur la transformation surtout du verbe de la voix active à la voix passive. Donc là, on relit tout ça ensemble. Les enfants savent revenir dessus s'ils en ont besoin. Et ensuite, je vais les inviter à aller regarder une petite vidéo. Donc, ne touchez à rien. Je passe moi-même à la page suivante. Et là, je vais vous demander, et c'est ce que Caroline me disait, on attend avant de cliquer sur OK. Et quand tout le monde est prêt, alors à ce moment-là, on dit, ben voilà, Loulou, maintenant, vous pouvez tous cliquer sur lecture et regarder la petite vidéo. Donc, on ne va peut-être pas la regarder jusqu'au bout parce qu'elle fait plus de 2 minutes 30. Mais vous voyez que c'est une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, sur la voix active et passive, qui est super bien faite et qui peut servir de rappel un peu plus ludique, on va dire, qu'une simple petite diapositive. Donc, je laisse un petit peu passer la petite vidéo. Alors, donc, encore une fois, hein, vous voyez que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, vous ne quittez pas la leçon. Les élèves sont toujours dans la leçon. Et ils peuvent suivre la vidéo que Charlotte a préparée à l'avance. Il suffit de cliquer sur lecture pour la faire démarrer. Et ils peuvent la faire démarrer finalement à leur rythme, hein, Charlotte aussi. Oui, voilà, à leur rythme. Et maintenant, je pense que ces gens qui posaient la question au webinaire passé, ce sont des vidéos YouTube. Maintenant, si vous avez envie d'en créer une sur votre ordinateur, par exemple avec Movie Maker, il suffit après juste d'aller la faire héberger par YouTube et de déposer le lien YouTube dans votre classe. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Vous pouvez aussi créer vous-même tant qu'après vous exportez via YouTube. Donc, je vais couper la vidéo. Désolée pour la frustration. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, vous voyez, vous n'avez touché à rien. Et là, ben, après le petit rappel, on va passer à la phase d'exercice. Donc là, je demande aux enfants d'être prêts parce qu'on va commencer l'activité interactive.
Alors, attention, soyez prêts, je vais vous demander de répondre. Je vais peut-être devoir couper de temps en temps un peu plus vite, mais je vais vous laisser quand même une petite minute pour vivre l'activité en tant qu'élève. Donc, on va commencer par un super tri. Il va donc falloir classer les phrases d'un côté voix active, de l'autre côté voix passive. À vous de jouer. Donc là, on demande de prendre les petites feuilles. Donc, le journal est imprimé dans la zone industrielle. Ben voilà, vous guidez soit vers le bateau actif, soit vers le bateau voie passive. Alors, ça, c'est sympa parce qu'il y a des petits canons qui sont, des petits boulets de canon qui sont lancés quand vous donnez une bonne réponse. Voilà. Alors, je vais malheureusement devoir couper pour vous faire vivre toute l'activité. On va passer à la diapositive suivante. Je ne sais pas vous laisser finir, mais sinon, on va être un petit peu court dans le temps. Je passe donc à la diapositive suivante, qui est un jeu télévisé. Même chose, donc toujours sur la voie active et passive. Où là, vous allez devoir tourner la roue. Alors, ce jeu, normalement, il se joue à deux équipes. Donc, généralement, quand je le fais en classe, je vais, par exemple, les filles contre les garçons, ou alors je fais deux groupes, et chacun joue à son tour. Ici, vous pouvez jouer soit contre quelqu'un qui est avec vous, soit contre vos parents. C'est sympa aussi. Les élèves jouent contre leurs parents et on se rend compte que parfois les élèves réussissent mieux que les papas et les mamans. Allez-y. Marc, j'avais eu une question par rapport à la vidéo, tu sais, si Charlotte, en tant qu'enseignante, elle avait cliqué sur lecture, est-ce que la vidéo aurait parti pour tout le monde? Moi, je pense que non. Je pense que chaque personne doit le partir sur son sur sa tablette ou son ordi, mais est-ce que tu pourrais confirmer que j'ai bien répondu? Oui, c'est exactement ça. J'ai d'ailleurs ajouté un commentaire à ta suite. En fait, c'était un parti pris initialement pour justement laisser les élèves être en autonomie. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a des remarques d'enseignants qui nous disent oui, mais on voudrait aussi pouvoir piloter la vidéo. Donc notre équipe est en train de regarder si c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en synchrone. Voilà, donc je vais passer à la diapo suivante pour que tout le monde puisse avoir le temps de voir tous les exercices. Je vous coupe. Et on passe maintenant sur une activité où les enfants vont devoir remplir les cases vides. Donc, vous allez voir, ici, vous avez donc un petit texte et je vous demande de mettre entre parenthèses, donc de glisser, vous avez six petites languettes en dessous, de glisser les languettes au bon endroit en fonction des fonctions justement demandées. Donc, tes explications, ben, quelle est la fonction de tes explications, n'ont pas été comprises, etc. Donc, là, et je vous ferme. Dis-moi. Oui, je vous fais remarquer aussi que, en fait, ces activités-là aussi ne sont pas démarrées par Charlotte. En fait, à chaque fois, pour toutes ces activités, il y a un bouton « Commencer » ou « Lecture » qui est proposé. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer sur ce mode, l'autonomie des élèves. Ça nous paraissait important de pouvoir les laisser aller à leur rythme, en fait. Voilà, donc ici, un petit texte très simple. On va passer sur un deuxième exercice de remplir les cases vides. Donc ici, ce que je demande, c'est de compléter avec un sujet, un groupe sujet donné. Donc là, les enfants doivent faire attention, bien sûr, à l'accord du verbe, du participe passé, en fonction des cinq petites étiquettes qui sont proposées en dessous. Là, il suffit juste de la prendre avec la souris et de la glisser dans le bon cadre. Alors, vous voyez qu'à la fin de l'exercice, on vous dit vérifier les réponses. Il est tout à fait possible de faire une vérification instantanée. Donc là, c'est à vous à choisir dans les paramètres lorsque vous créez le jeu. Est-ce que le retour de la case se fait directement
si ce n'est pas bon, ou est-ce que l'enfant réalise l'exercice complètement et vérifie après son nombre de bonnes réponses. On passe maintenant à la suivante. Le dernier exercice, alors je fonctionne souvent comme ça, le dernier exercice, généralement, c'est une course monstrueuse, parce que c'est vrai que la course monstrueuse, c'est ce que les enfants préfèrent. Néanmoins, on sait, parce qu'on l'a dit dans les anciens webinaires, c'est que la course monstrueuse ne peut se jouer qu'à maximum 54 participants. Donc, je vois qu'ici, sur la classe table, on est 64. Il y en a malheureusement 10 qui vont rester un petit peu sur le côté. Je vais donc proposer à ces 10-là de regarder bien sur votre webinaire, comme ça, les 10 qui ne savent pas participer pourront voir ce qui se passe sur mon écran d'Instit. Donc, sur la course monstrueuse, vous devez remplir votre prénom et ensuite, je ferai mes équipes. Donc, on commence. Vous allez donc tous être répartis. Alors là, je vous propose, c'est de juste basculer sur la fenêtre de votre webinaire pour voir un petit peu ce qui se passe sur mon écran. Donc, vous voyez, vous avez les prénoms de tous les participants. On voit ici 9 élèves, malheureusement, ne peuvent pas rejoindre la partie. Je vais donc vous diviser en équipes. Voilà, donc j'ai 54 élèves. Je vais donc participer. Je vais donc diviser en 9 équipes. Et vous allez voir que sur l'écran d'un site, les équipes sont en train de se faire. Voilà. Donc, ben voilà, vous êtes 6 par équipe, c'est logique. Et donc, là, maintenant, c'est moi qui vais lancer le questionnaire. À vous de jouer. Et moi, je verrai au fur et à mesure l'avancement de chaque équipe. On est parti. Attention de vous tromper pas. Voilà, je vois Martine, Philippe, Céline, Sylvie, Claude, Joanne, Florence, tout ça. À chaque fois, ce sont les bonnes réponses. Les bonnes réponses permettent aux petits œufs des monstres de se casser au fur et à mesure. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas participer, je vous invite à venir sur la fenêtre de GoToWebinaire pour voir ce qu'il se passe sur l'écran de l'Instit au fur et à mesure du questionnaire. Ouais, bonne réponse, Fu, c'est très bien. Voilà. Donc, encore une fois, je vais devoir malheureusement couper. Je sais, ça vous coupe dans votre élan. C'est assez frustrant, mais si je ne coupe pas, malheureusement, on n'aura pas le temps de voir toute la leçon et surtout comment la réaliser. Donc, après, je peux vérifier justement quelle équipe a réalisé le meilleur score. Alors, il faut savoir que quand on joue au questionnaire monstrueux, il faut bien expliquer aux enfants, du moins, moi, c'est ce que je fais, c'est que l'important, c'est le nombre de bonnes réponses. Donc là, ça se voit au pourcentage des équipes et pas au temps final. Parce que pour l'instant, la course monstrueuse met les vainqueurs de l'activité pour ceux qui ont répondu le plus vite. Donc du coup, une fois que les enfants ont bien compris ça, on clique sur n'importe quelle réponse, tant qu'on va vite et on est les premiers. Non, donc moi, j'explique bien aux enfants que ce que je vais regarder, c'est le pourcentage de bonnes réponses. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut vérifier avec la classe les réponses. Je vais malheureusement devoir passer ce côté-là pour pouvoir vous expliquer la suite après. Donc, je passe et j'arrive maintenant à ma dernière diapo où j'espère que l'activité a plu aux enfants et je leur dis que, bien sûr, j'en créerai d'autres au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est une activité qui a duré 1h20 quand je l'ai faite avec mes élèves. Donc, 1h20 sur l'activité active, voix passive, voix active. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on fait en période de classe. Bien sûr, forcément, il y a toujours un petit laps de temps supplémentaire étant donné que ben voilà, c'est en live, c'est à distance, donc il faut le temps que les enfants s'y fassent. Mais au fur et à mesure que les sessions live avancent, j'ai de plus en plus de facilité les enfants. Donc, je vous invite à venir sur GoToWebinaire. Charlotte, on avait une question. C'est quelqu'un qui demandait s'il y avait une limite de nombre de participants. Pas pour les activités, mais pour le Monster Quiz, je pense que c'est Kevin qui l'avait dit, c'était 54 participants. Ouais. Mais là, on demande, est-ce qu'il y a un nombre d'équipes? Et là, j'essaie de me souvenir, la dernière fois, il me semble qu'on était facilement une dizaine d'équipes, mais je ne sais pas s'il y a vraiment un plafond. Écoute, ici, quand c'était 54, il ne m'a proposé que 9 équipes directement. 9, ok. 9 équipes.
Voilà. Donc, quand on peut-être 9 équipes. En tout cas. OK. Bon, je vais écrire. Maintenant, quand 9 équipes. On est moins, quand je joue avec les élèves, par exemple, on est 22, ben, il peut me proposer jusqu'à 11 équipes pour faire vraiment une équipe de 2, ce qui est le strict minimum. En fait, ça dépend complètement du nombre de participants et effectivement, il va y avoir un choix qui va être différent suivant le nombre d'élèves qui sont connectés. Il y a aussi quelqu'un qui te demande combien de temps ça te prend pour préparer une activité complète. Eh bien voilà, on va le vivre maintenant. Donc, c'est vrai que je ne vais pas la développer avec autant d'activités interactives, pardon, mais allez, on va dire que pour la création de celle-ci, j'ai mis, on va dire, 3 quarts d'heure. Et je tiens à préciser que j'utilise Smart Notebook depuis le mois de février. Donc, ça ne fait pas des années que j'utilise. Donc, il ne faut pas se dire oui, mais bon, elle va le faire assez rapidement parce qu'elle connaît. J'ai reçu mon écran interactif le 14 janvier. Donc, voilà, je ne suis pas non plus une ancienne combattante. Je commence, mais maintenant, c'est très intuitif. Et une fois qu'on l'a en main, ça va assez rapidement. Donc, justement, je voulais vous montrer comment ben justement créer cette activité. Vous verrez que ce n'est pas si difficile que ça. Donc, est-ce qu'on peut me confirmer qu'on voit bien mon écran pour l'instant? Tout à fait, Charlotte. Okay. Et juste pour que tout le monde soit sûr et certain, donc on est tous retournés dans GoToWebinar pour pouvoir, ou GoToMeeting en fonction de l'application qui s'affiche devant vous, pour pouvoir voir ce que Charlotte va nous présenter. Donc, je vais donc partir de cette activité-là et je vais vous montrer comment créer cette activité. Donc voilà, ici je suis sur la PlaceLab. Donc la première chose à faire, c'est de choisir les documents qu'on va utiliser. Alors comme on a l'habitude de dire, oui mais alors il va falloir tout faire, tout ce que j'ai fait ne servira à rien, eh bien non, je vais vous montrer. Je vais aller dans mes documents de mon ordinateur et je vais partir de ma synthèse de la voix passive et de la voix active. Donc je vais ouvrir mon document Word, mes deux documents parce que ça tient en deux synthèses. Et la chose à faire, c'est de ne pas oublier de bien les fusionner ensemble et ensuite de les exporter en PDF. Donc, j'ai ma synthèse numéro 2 qui est là et ma synthèse numéro 1 qui est là. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je vais aller la déposer à la suite de ma première synthèse. Voilà. J'ai donc... mais ça, c'est rien du tout. Voilà, j'ai mes deux pages sur un document Word. Je vais ensuite aller l'exporter. Donc, je vais l'enregistrer tout simplement en PDF. Voilà, je mets, hop, activité, synthèse voix active, voix passive. Là, je vais mettre complète. Ça, je saurais les faire. Et ensuite, je vais retourner dans ma classe. Donc, mon document PDF, mes synthèses ont été créées. Voilà, elles sont là en PDF. Je vais retourner sur ma ClassLab et je vais ajouter une activité. Je vais aller chercher ici, importer une ressource. Je vais aller chercher ce fameux PDF que je viens de créer. Donc, hop, je vais dans Activité. Voilà. Synthèse voix active, voix passive complète. Je vais l'ouvrir et donc là, la ClassLab va le paramétrer pour le faire rentrer dans cette classe-là, dans cette activité. Donc là, juste pour préciser, en fonction du document que vous utilisez, ça peut être un plus gros document, votre document est téléversé sur votre ClassLab, ce qui fait que si c'est un gros document, il mettra peut-être un peu plus de temps que ce qu'on vient de voir là. Mais donc, c'est ça sera le même processus et en fonction du nombre de pages, ben, vous aurez le nombre de pages que vous avez préparées qui se présentera tel que vous le voyez là sous vos yeux. Voilà. Donc ici, on voit bien, je retrouve mes deux synthèses. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est toujours préparer une petite diapo de présentation, c'est le plus sympa pour quand les élèves arrivent, pas tout de suite arriver bien sûr sur voilà, la synthèse est là. Donc, je vais utiliser, alors, petit bémol pour la ClassLab actuellement, mais on a demandé à Marc de travailler, c'est que pour l'instant sur la ClassLab, on ne sait pas mettre de fond d'image, donc une image de fond ou alors un fond d'écran un peu moins barbant que le blanc. Donc là, j'ai une petite entourloupe, comme dirait Caroline, j'ai triché. J'ai tout simplement utilisé l'outil capture d'écran de Windows, qui est donc ce petit écran, ce petit icône avec la petite paire de ciseaux. Je me suis mis sur Word, j'ai teinté ma page et puis j'ai fait une capture d'écran. Et donc, ce que je n'ai juste qu'à faire, c'est d'aller appuyer sur le bouton plus, aller sélectionner une image et je vais aller dans mes fonds. Donc, vous voyez, j'ai fait un dossier fond coloré
Et voilà, j'ai du jaune, j'ai du bleu, j'ai du rose. Donc, je vais prendre, par exemple, du jaune qui va arriver comme si c'était une image. Après, eh bien, tout simplement, je la prends, je l'agrandis pour qu'elle fasse toute ma page. Et voilà, j'ai un fond de couleur. Et là, eh bien, je vais taper mon texte. Bonjour les loulous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle activité. Je mets bien sûr en plus grand. Après, ben voilà, chacun fait un petit peu comme veut. Activité. Alors, pour que ce soit plus sympa aussi pour les loulous, bon, c'est vrai que moi, je travaille en primaire et les enfants aiment bien avoir des petits dessins. Même chose, je sélectionne une page. Alors, Caroline nous a montré la dernière fois, et j'ai repris son idée parce que j'adore, ce sont les bitmoji qui sont vraiment super sympas. Donc, je vais aller chercher un petit bitmoji et je vais le rajouter. Donc, voilà, je vais mettre « Salut ». Et je vais ensuite le déposer sur ma page. Donc voilà, ça fait toujours partie de ma première petite diaporama d'introduction. C'est ma petite page de carte. Je vais ensuite rajouter une autre activité en cliquant sur le plus. Comme vous voyez, le plus, il est ici. J'ajoute une nouvelle page, toute simple. Voilà, je supprime les emplacements. Alors, je peux recommencer à mettre un fond blanc, un fond vert, etc. Le moins de temps possible. Et donc ici, ben voilà, je vais leur expliquer aujourd'hui, nous allons travailler la voix passive. Et je vous fais en résumé. Mais avant, revoyons ce que nous avons appris en classe. Voilà. Donc ça, ce sera ma deuxième diapositive. Et ensuite, on passera sur ma troisième qui était ma feuille de synthèse. On va relire ensemble. Je vais zoomer, comme ça tout le monde voit. Dans une phrase, abrogative, etc., etc. Deuxième petite feuille de synthèse. Voilà, les enfants, on relit, donc n'oubliez pas. Quand on passe d'un temps actif à la voix passive, il faut un mot en plus, c'est souvent le verbe être, etc. Après, ben voilà, je me dis, pour certains, un petit film vaut mieux qu'une page blanche avec plein d'écriture. Donc, je vais faire quoi? Je vais tout simplement aller sur YouTube. Alors, vous pouvez voir que sur YouTube, on a vraiment pas mal de choix. Moi, ici, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué « Voix active, voix passive ». J'ai cherché tout simplement cette petite vidéo-là. J'ai marqué « Smart route ». Voilà. Voilà. Donc, je note « Voix passive ». Alors, je prends celle-ci, je vais aller copier tout simplement le lien. Je prends le lien, CTRL-C, je retourne dans ma classe lab et sur la page supplémentaire, donc je vais mettre YouTube. Ah non, pardon, excusez-moi. Je vais mettre une nouvelle page et je vais aller insérer ici, vous voyez, le petit plus. Et là, on me propose ajouter un lien web et je vais aller coller tout simplement ma vidéo YouTube. Vous voyez, elle est ici. Alors, vous, en tant que prof, vous voyez le lien. Les enfants verront tout de suite la vidéo YouTube et n'auront plus qu'à faire comme vous, cliquer sur lecture. Alors, Charlotte, en fait, tu peux faire la même chose en cliquant sur le gros plus bleu en bas à gauche. Oui, et en cliquant directement sur YouTube ici. Ouais, et en cliquant directement sur YouTube. Si tu fais ça, bah montre-nous un petit peu ce qui voilà, se passe. Alors, tu colles ton lien là. Non, mais tu peux coller ton lien directement. Voilà. Tu fais rechercher et normalement, ça va tomber. Tu vois? Ah ouais, pas de bol. On tombe sur une vidéo qui n'est pas référencée. Voilà. Bah, donc, moi, c'est pour ça que j'étais passée par ce côté-là. C'est un autre chemin pour arriver au même endroit. Donc, ben voilà, la vidéo est prête pour les enfants. Donc, ça veut dire que ici, en l'espace de 5 minutes, j'ai créé déjà 5 diapositives. Donc, on a fait la page de garde, l'introduction, la séance de rappel. Et après, ben, on va passer sur les activités. Alors, les activités, encore une fois, vous pouvez repartir de quelque chose que vous avez fait. Je vous montre ici dans mes documents. J'ai un stencil d'exercice pur et dur. Donc, c'est ce qu'on donne généralement aux enfants quand on est dans la classe.
Et vous voyez, écrit sur les pointillés si la phrase est active ou passive, mais au lieu de la faire comme ça, je vais tout simplement récupérer ces phrases-là avec un copier-coller et aller la mettre, par exemple, dans une activité de super tri. Donc, pour ça, dans ma classe lab, je clique sur activité modifiée. Je vais chercher mon super tri. Mon super tri me demande de choisir deux colonnes. Donc, j'ai deux titres de colonnes. Je vais donc mettre voix active et active. Autre colonne, voix passive. Et puis après, ben voilà, vous allez rechercher votre stencil. Vous faites des copier-coller. Les spectateurs sont fous de, les spectateurs fous de joie brandissent les banderoles. On est dans la phrase active. Vous allez coller toutes les phrases de votre exercice qui sont à la voix active de ce côté-là. Et c'est juste des copier-coller. Ça prend 5 minutes. Ici, on a une voix passive. Je la glisse là. Je vais n'en faire que 4 comme ça. Ça ne prendra pas trop de temps. Voilà. Hop. Donc, voix passive à droite, voix active à gauche. Et quand c'est fait, je fais suivant. Je choisis mon thème. Donc ici, on va prendre... Alors, le concert de rock, c'est vrai que j'aime bien, mais je l'avais déjà montré. On va prendre, par exemple, ben, les petites soucoupes. On fait terminer. Et voilà, mon activité, elle est créée. En cliquant sur Super Tri, je peux mettre la consigne. Lisse les phrases dans la bonne soucoupe. Voilà. Et je vous montre l'aperçu. Ça, vous le voyez un petit peu. Voilà. L'activité a été créée en 5 minutes. Et je suis repartie d'un document que j'avais dans mon ordinateur. Alors, on peut faire 40 activités, hein, ça, c'est pas le souci. Moi, généralement, quand je fais une leçon, pour que ça dure plus ou moins une heure, je propose 5 activités à mes élèves. Donc, j'essaie de varier, je fais des super quiz, je fais des jeux télévisés, je fais des monster quiz. Donc, comme on fait, bien, on continue, on appuie sur plus, on remet une activité, etc. J'aime bien terminer par une petite évaluation ou tout simplement par une conclusion. Donc voilà, je vais créer une nouvelle page. Je retire ceci. Là. Hop. Et puis ben voilà, l'activité est terminée, les enfants sont bien amusés. Donc je leur demande, je leur mets un petit bonhomme, je leur dis alors c'était bien. Voilà, et puis je leur mets, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle activité. Voilà. Voilà. Et mon activité est créée. Alors, encore une fois, le nom de l'activité, c'est vous qui choisissez. Généralement, 5 avec des enfants de 6e primaire, 5, ça dure une heure. Donc, voilà, j'ai créé. Je fais mon titre. Donc, voilà, ben, celle-ci, j'avais appelé activité 1 parce que c'est la première que j'essaie avec eux. Maintenant, rien ne vous empêche de bien noter voix active et passive. Vous mettez finir la modification et vous avez donc maintenant votre nouvelle activité qui est créée, voix active et passive. Elle est là, elle est prête à utiliser par les enfants. Voilà. Alors, il est déjà 17h44. On a très peu de temps maintenant qui s'offre à nous pour vous laisser tester. Alors, qu'est-ce que vous proposez les autres du groupe? On envoie tester. On avait dit à moins 10, on repart sur le sondage, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Bon, mais on peut peut-être vous laisser faire un petit exercice, justement, de prendre un simple PDF, de le glisser dans votre classe lab, dans la classe lab que vous utilisez depuis 3 séances maintenant, et puis de rajouter une ou deux pages, de voir un peu comment tout ça fonctionne. Un peu comme nous l'a montré Charlotte. Qu'en pensez-vous? Voilà, moi je pense que le but vraiment de la leçon, c'est d'avoir une heure d'activité qui tient sur une tuile. Pas avoir une tuile, une activité. Une tuile, une activité. C'est vraiment, voilà, c'est comme vous avez dans votre phare de leçon. Ben, voilà, vous avez votre leçon prof, on va dire, la leçon administrative. Et ensuite, vous avez la mise en situation, vous avez les feuilles d'exercice, la feuille de synthèse, la feuille d'évaluation. Mais voilà, moi je pense qu'au lieu d'avoir des tuiles différentes pour ça, autant tout regrouper en une tuile pour avoir vraiment un suivi de toute cette leçon. Ce qui est bien, c'est que voilà, on n'est pas obligé de faire toute la leçon en une fois. On peut dire, ben voilà, aujourd'hui, on s'arrête à cette diapositive-là. La fois d'après, on y revient
Et on a la possibilité de retourner en arrière en disant, voilà, rappelez-vous les loulous, la fois passée, on avait fait cet exercice-là, cet exercice-là, cet exercice-là. Aujourd'hui, on va faire ça. Et ça peut donc être des tuiles que vous utilisez toute l'année. Je parle par exemple du cours d'histoire pour avoir un suivi de la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle. Voilà, rappelez-vous, on a fait la préhistoire, on revoit en vitesse, on revoit le Moyen-Âge et on continue à avancer dans la matière en une seule tuile. Ça peut être vraiment super bien préparé. On laisse quelques minutes, Charlotte? Oui, on peut laisser quelques minutes. Il est 46, donc on peut laisser 5 grosses minutes. 5 minutes. Là, vous comprenez bien qu'on est donc en mode synchrone, comme disait Charlotte au tout début du webinaire. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves, vous avez donné rendez-vous à vos élèves à une heure précise. Ça peut être aussi, alors, pour l'après-confinement, ça peut se faire également dans la salle de classe. Hein. C'est quelque chose qu'il est également possible de réaliser en temps réel dans la salle de classe. Si vos élèves disposent de l'appareil, si vous avez l'accès à Internet également, puisque vous voyez que ça fonctionne par Internet. Je sais que Kevin nous avait expliqué que c'était un de ses modes d'utilisation lors d'un des webinaires précédents. Mais donc, ce système va faire que vos élèves vont… c'est l'enseignant qui pilote, qui passe, comme vous avez vu, les différentes parties du cours, les différentes pages du cours, qui va laisser ses élèves réaliser les activités quand il y a des activités à réaliser ou revoir des vidéos quand c'est des vidéos à voir. Pour ce qui est des résultats, alors tout ce qui est activité ne permet pas à l'enseignant de récupérer des résultats. Il n'y a pas de feedback direct. Là où vous allez avoir des résultats, c'est sur le quiz monstrueux. Il y a un résultat d'ensemble, un résultat de la classe. Et sur les évaluations qu'on n'a pas vues là, mais qu'on verra lors d'une prochaine séquence. En évaluation formative, on a la possibilité de récupérer l'ensemble des réponses qui ont été apportées par les élèves. Oui, on a surtout aussi la possibilité, c'est d'avoir une évaluation avec le report des points qui est envoyé directement en format Excel. Ça, moi, je l'ai déjà testé avec mes élèves, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai un petit message pour mes collègues, Kevin et Anne. Je vais vous demander de venir m'aider aux questions parce que je vais dire comme Charlotte, là, je galère. Merci. Daniel Pritier, par contre, je vois que tu poses une question. J'ai importé un PDF et je veux ajouter une page, mais la page 2 s'ajoute et je veux que la nouvelle page soit en page 1. Alors, je te montre, c'est très simple. Donc, si tu veux prendre l'écran du webinaire pour voir un petit peu. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement… Je ne me suis pas mise dans ma édition. Ce que tu dois tout simplement faire, c'est glisser ta diapo. Donc, en fait, tu as toutes tes diapos qui sont là. Tu as la 1, 2, 3, etc. Tu veux, par exemple, que la 2… en première, tu cliques dessus, tu vois, elle va être entourée de bleu et tu la remontes tout simplement. Tu vois, tu peux jongler avec tes diapositives. Donc, par exemple, mon PDF, tu vois, est en deux parties. Si je veux mettre la vidéo au milieu, je le prends et je le glisse tout simplement. Différentes sortes d'activités. Donc, je vais remettre ma classe là pour que vous puissiez voir. Alors, dans les différentes sortes d'activités, on a donc les cartes à retourner, qui est le système des cartes à pince. On a le dardard, donc c'est une course de voiture. Découverte d'étiquettes, ça c'est très pratique, tout ce qui est schéma en histoire, en géo, en sciences. Le jeu télévisé, donc ça c'est un petit peu la roue à tourner.
match de mémoire, donc tout simplement le memory. Ordre de classement, ça peut être utilisé par exemple pour une activité sur l'ordre alphabétique. Questionnaire en équipe, on a les questions à choix multiples et des vrais ou faux. Donc là, il faut l'appareil obligatoirement. Questionnaire monstrueux, même chose. Alors, on allait relier les. Ben, par exemple, on a des mots d'un côté et des natures de l'autre côté. On a remplir les cases vides, donc c'est le principe du questionnaire lacunaire. Et enfin, le super tri. Voilà, je pense qu'on est bon dans les questions, ça répond au fur et à mesure. Alors, un retour des élèves avec les exercices MAP, donc avec la classe. Là, ben voilà, mes élèves avaient l'habitude de toute façon de jouer énormément en classe. C'est vrai que depuis que j'ai le Smart Notebook, je ne travaille plus qu'avec ça. Il n'y a pas photo, la motivation, elle est là. J'ai fait comme pas mal d'enseignants ici en Belgique quand on a été confinés. J'ai donné le carnet feuille. Maintenant, ben, mes élèves étaient un peu déroutés parce qu'ils n'ont pas l'habitude justement de travailler avec 47 feuilles par jour. Donc voilà, je savais que le retour des parents était de voilà, ils ne sont pas très motivés parce que c'est vrai qu'un contrat de feuille, ils n'ont pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon de les motiver. Et quand j'ai proposé justement de faire des petites activités live, voilà, sur mes 22 élèves, j'en avais 21 d'inscrits. La dernière, uniquement parce qu'elle n'avait pas de connexion à Internet, mais les 21 étaient présents. Et au fur et à mesure du live, ben voilà, ils mettent c'est génial. Et au moment où l'activité se termine, ils sont dégoûtés. Oh non, madame, s'il vous plaît, ça continue. Je pense que voilà, la motivation de faire ça sur déjà un écran et sous forme de jeu passe beaucoup mieux qu'un carnet de feuilles. Maintenant, ben, on a dû s'adapter assez rapidement. Mais maintenant que je travaille comme ça, ben voilà, je n'envoie pas de carnet de feuilles, je fais uniquement des activités avec la classe là. Donc le retour des élèves est plus que positif. Et les parents s'amusent beaucoup. Ça permet aussi aux parents de voir un petit peu comment on travaille en classe, parce que c'est vrai que certains parents, ben voilà, on ne voit pas de feuilles arriver à la fin de la journée, on se dit, oh, voilà, ils n'ont fait que deux feuilles, ils n'ont pas énormément travaillé. Maintenant qu'ils ont accès à cette classe là, les parents comprennent aussi que voilà, c'est pas parce qu'il y a deux feuilles dans la FAT par jour qu'on n'a pas travaillé pendant la journée. Donc, je pense aussi que ça va permettre aux parents d'avoir un autre regard sur la façon de travailler avec le numérique. On ne joue pas, enfin, on joue, mais en travaillant. Marc, est-ce que tu pourrais mettre dans le clavardage, parce que je répondais à quelqu'un qui demandait s'il pouvait avoir accès à nos épisodes antérieurs. En fait, Marc a fait un super beau site web. Donc, si tu pouvais mettre le lien du site web, voilà, c'est le site web pour l'équipe de Smart Francophone. Là-dessus, vous pouvez trouver les rencontres précédentes, mais on a aussi déposé là-dessus tout plein de documents pas à pas. On a mis les images et petits monstres qu'on aime placer dans nos diapos. On a mis aussi des activités partagées. On a mis un document si vous voulez y déposer les activités que vous allez faire pour les partager avec d'autres personnes. Donc, c'est un beau site à visiter. Voilà. Par contre, je vois qu'il reste 5 minutes. Donc, ce serait peut-être bien d'envoyer tout le monde sur notre chat là pour répondre au sondage et pour poser les dernières questions qu'ils n'auraient pas eu le temps de répondre. Donc, ce que je vous propose, c'est pas une mauvaise idée, hein, Marc, parce que le temps file, il reste 5 minutes. Oui, vas-y. Donc, je vous invite maintenant à mettre de côté l'activité que vous êtes en train de créer. Vous pourrez y retourner après, il n'y a pas de souci. Enregistrez bien ce que vous êtes en train de faire et retournez sur notre classe là. Donc, je rappelle hellosmart.com, ensuite l'identifiant de la classe, le 67-917. Donc, n'oubliez pas de vous connecter en tant qu'invité. Et vous verrez que sur la classe là, vous allez recevoir un petit sondage sur l'activité d'aujourd'hui. Donc, je vais
mettre le sondage en route pour voir si tout le monde commence à arriver. Alors, c'est 5 petites questions sur lesquelles vous allez pouvoir répondre assez rapidement pour voir un petit peu si le rythme. C'est vrai que le rythme, c'est toujours compliqué de boucler les explications en une heure. Ce petit sondage va nous permettre aussi de pouvoir réajuster dans les prochains webinaires. Donc, je vois qu'il y en a déjà 37 qui sont en cours. Et puis, juste au passage, vous pouvez remarquer justement en retournant en mode élève, hein, comme on l'a fait au début du cours, que c'est hyper rapide. Hein. Vous vous retrouvez sur hellosmart.com ou sur le lien qu'on a partagé avec vous précédemment. Et vous vous reconnectez d'un seul clic de bouton, en fait. Hein. C'est super simple pour les élèves. Voilà, donc je vais lancer le sondage. Oui, et puis au passage, juste pour aussi que vous ne soyez pas déroutés par l'interface, donc Charlotte et Caroline me disaient que l'interface est un peu austère, c'est vrai que c'est un fond blanc avec des questions en gris, donc ça fait un peu effectivement austère comme interface. Vous avez des petites flèches au sommet de la page web normalement, que ce soit sur une tablette ou sur un navigateur sur votre ordinateur, qui vous permettent de passer d'une question à l'autre. Alors, cette activité-là que vous êtes en train de faire, on peut tout à fait l'utiliser comme petite évaluation à la fin. Donc, c'est le même principe. C'est l'activité réponse où on vous propose 5 petites questions ici. On peut très bien l'utiliser comme système d'évaluation avec les enfants. Et moi, une fois que l'activité sera terminée, je peux appuyer sur un bouton qui va me permettre d'exporter vos réponses sur Excel. Donc, ça, c'est vraiment très bien parce que ça permet de voir… Voilà, on a terminé l'activité sur la voie passive, on a travaillé 1h15, 1h20 avec les enfants. On leur soumet une petite évaluation finale. Et comme ça, moi, après, ben voilà, quand je suis toute seule devant mon ordinateur, je vais vérifier les réponses et je vois un petit peu si tout le monde a compris. Je vois si c'est nécessaire de la retravailler et je vois si toutes les réponses sont majoritairement bonnes. Voilà, je sais que ça, je peux laisser un petit peu de côté et refaire autre chose. Il faut savoir aussi que les activités, ben voilà, la première, j'avais fait uniquement sur la voie passive. Je crée aussi d'autres activités où, voilà, la première diapo, on va travailler des grandeurs. La deuxième, on travaille de la conjugaison. La troisième, on travaille des calculs mentaux. La quatrième, de la grammaire. Donc, un petit peu un plan de journée. Vous n'êtes pas obligé de faire une tuile sur la même matière. Vous pouvez préparer une journée complète de cours. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile à enregistrer sur votre PC parce que, ben voilà, une année n'est pas l'autre. Mais par exemple, ici, en temps de confinement, c'est ce que je fais. Activité 1, c'était la voie passive. Et puis, activité 2, ben voilà, j'ai fait un melting pot d'exercices en essayant de toucher un maximum de matière pour les faire revivre un peu une journée de cours normale. Ouais. Voilà, donc, il reste une minute. Je vois que presque tout le monde a terminé. Oh, avant de terminer, moi, j'avais une petite annonce à faire. Charlotte, je ne sais pas si tu es dans GoToWebinar. Tu peux laisser le sondage rouler à côté. Oui. Mais si tu peux revenir dans Go. Ouais, c'est ça. Je la mets. Voilà. C'est ça. Ben, mardi prochain, je vais faire la démonstration d'une leçon, mais cette fois-ci en mode asynchrone, parce que moi, c'est ce que j'utilise souvent avec mes élèves, parce que je ne veux pas toujours être branchée là avec eux. Ils vont faire les activités quand ils veulent. Mais surtout, j'ai mis un petit truc à côté, c'est que je cherche des testeurs pour demain. C'est qu'en fait, et là, je suis… Oh, mon Dieu, là, je suis en plein… Je ne sais plus comment faire pour revenir. C'est que demain, je vais animer pour la semaine prochaine pour la COPS un atelier et j'aimerais ça tester mon atelier demain. Et là, Charlotte, tu peux-tu arrêter ton partage d'écran pour que je puisse aller chercher mon lien? Donc, Merci. Martin, c'est toi qui dois le faire, je pense. Tu sais, retirer mon partage d'écran, Marc, te mettre sur les carreaux. Ah, c'est bon, j'ai réussi à sortir. Je vais faire. Ouais, donc je vais taper dans le. Je vais faire envoyer à tous. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le lien que je viens de mettre? Oui, on voit le lien, tout à fait, Caroline. Bon, parfait. Donc, s'il y en a qui. Il reste encore 11 places pour demain. En fait, je vais faire un webinaire un peu qui va montrer peut-être ceux qui sont à l'écoute puis qui sont peut-être débutants dans la classe lab, de venir voir c'est quoi la classe lab puis tout ça. Et c'est un atelier main sur touche qui dure 1h30. Donc, ça laisse un petit peu plus de temps aux gens de pouvoir vraiment expérimenter. Donc, je cherche encore 11 personnes pour tester une nouvelle plateforme avec moi. Merci.
Super, impeccable. Bon, bah, écoutez, je crois que l'heure est passée. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Pendant la partie asynchrone, vous allez pouvoir voir mardi, si Caroline vient de vous le dire, le fonctionnement de ce logiciel en ligne de ClassLab avec la possibilité de laisser un document à vos élèves. Et donc, c'est ce que nous allons préparer pour vous pour mardi prochain. Nous espérons que vous avez passé une bonne heure en notre compagnie, que vous avez appris plein de choses et que vous allez pouvoir le réutiliser avec vos élèves ou en tout cas tester cette classe lab pour de futures utilisations. Merci encore à tous, merci à notre équipe et puis bonne soirée, bonne continuation à tous, bonne journée pour les Québécois, bien sûr. À très bientôt.